Bonsoir. Alors, ce que vous avez vu là, en fait, c'est un peu le résumé du spectacle, hein. Il y a de la magie, de la danse, bien sûr, de la chanson. Et bon, je fais aussi un peu d'hypnose le mercredi. Bon, ça, je l'ai piqué cet après-midi à quelqu'un sur Toulouse. Il viendra se chercher, on va pas. Bon, alors, bon, je fais un peu du. Vous vous appelez comment, madame? Gisèle? Gisèle, d'accord. Je vais vous hypnotiser, d'accord? Vous risquez rien, hein, je suis là. Hein. Donc, je vais vous hypnotiser, Non, attendez, arrêtez parce qu'il faut qu'elle dorme. Hein. Après, les gens vont dire oui, Jean-Jacques, il est gentil, mais bon, elle dort pas, quoi. Alors, il danse bien, mais alors, question hypnose, il est pas. Non, alors, surtout, Gisèle, ne vous regardez pas mes doigts, ça sert à rien, les doigts. Hein, si c'était les doigts qui comptaient, je me le ferais sur moi. Hein. Vos paupières sont lourdes. Et vos amis aussi. Arrêtez un peu. Bon, là, ça marche pas l'hypnose, mais en principe, ça marche. Hein. La semaine dernière, j'ai réussi à endormir toute une salle comme ça. Ils l'ont dit en sortant. Merci, on a dormi. Ouais. Bon, en fait, tout n'a pas très très bien commencé. Hein. Bon, par exemple, le jour de ma naissance, Dieu n'a pas eu l'Oscar du designer, par exemple. Vous voyez. Même la sage-femme, elle a cru que j'arrivais par le siège. Alors que non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Elle a tellement eu peur, elle est allée chercher un vétérinaire. Il m'a pris dans les bras, il a dit « Mais c'est rien ça, madame, c'est une chauve-souris !» Il m'a jeté en l'air. Oh, bien sûr, je me suis pas envolé, à l'époque, j'avais pas encore de sonar. Hein. Bon. N'empêche, moi, le jour de ma naissance, j'ai pas pleuré. Mais alors, pas du tout, hein. Ma mère, oui, ma mère, elle a beaucoup pleuré. En fait, ma mère, elle a pas eu les nausées pendant la grossesse, elle les a eues après ma naissance. En fait, ma mère, elle était tellement dégoûtée, mais alors tellement dégoûtée qu'elle me donnait le biberon par le cul pour pas voir ma figure, comme ça. Parce qu'en fait, ça m'habituait au thermomètre. Parce qu'en fait, ma mère, elle confondait le thermomètre et le baromètre, vous voyez. Bon, alors bien sûr, quand j'avais une poussée de fièvre, ça marquait temps variable. Jean-Jacques, il faut le faire baptiser. Alors bon, ils m'ont amené à l'église et tout. Le curé, il était là en train d'arroser ses géraniums dehors devant. Et tu fais, vous allez où avec le colis là? Ben, on va le faire baptiser. Et oh, ça va pas, non? Je fais pas les exorcismes. Hein. Et alors, il m'a baptisé sur le parvis de l'église, comme ça, pour pas que je salisse l'intérieur. Avec un jet d'eau. Tournez-le, madame, allez-y, tournez-le. N'empêche, le curé, maintenant, il est mort. Ouais, on l'a retrouvé un jour mort dans son église, à côté de l'hôtel. Il était comme ça, assis sur sa Bible avec un cierge à la main, comme ça. Ah non, c'est le contraire, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui. Oui. Il y avait le cierge. La Bible à la main. Après, ma mère, elle a dit, bon, ben, Jean-Jacques, il faut aller en colonie de vacances maintenant. Ouais! Et ils m'ont collé à la DAS pendant 6 ans. Alors, ça correspond à peu près à l'époque où mes parents, ils ont divorcé, hein, parce que mes parents, bon, ils divorçaient. Et alors, ils se battaient pour, en plein divorce, hein, ils se battaient pour savoir lequel allait avoir la garde de l'enfant. Et c'est mon père qui gagnait, parce que le juge, il m'a confié à ma mère. Et,
fait, mon père, après, il est mort dans un accident de la route. Parce que, oui, après le divorce, mon père, il dormait en face de la maison, sur un trottoir. Et un jour, ma mère, elle est venue, elle s'est garée un peu trop près, voilà. Alors, bon, on peut pas dire qu'ils sont morts dans un accident de la route. Enfin, la tête, oui, mais pas le reste, quoi. Alors après, j'ai rencontré des filles. Ah, c'était bon, les filles. Un jour, il y a une fille qui m'appelle, me dit « Jean-Jacques, viens vite à la maison, il y a personne. » J'y suis allé. Effectivement, il y avait personne. Alors, mon psy me disait « Oui, Jean-Jacques, est-ce que vous faites de l'amour avec des préservatifs ?» Mais oh, bien sûr que je fais l'amour avec préservatifs. Bon, je suppose qu'avec une fille, ça doit être mieux. Il m'a dit « Restez là, on va vous faire passer le test du QI. » Donc, il m'a fait passer le test du QI. Quand il a eu les corrigés, 2 heures après, il m'a fait passer un encéphalogramme. À cause des courants d'air, il a dit, à cause des courants d'air. Alors il me dit, bon, Jean-Jacques, il faut aller voir un sexologue. Alors bon, je suis allé voir un sexologue, c'était une fille. la sexologue, bon, elle m'a dit, déshabillez-vous. Et oh. Doucement, coquine, va. Alors bon, je me suis déshabillé lentement pour qu'elle ait le temps d'apprécier quand même. Et elle m'a ausculté le sexe avec une pince à cornichons grande comme ça. De loin, pour éviter que la bête lui saute à la gorge. Mais il faut une pince à cornichon. Il faut du bois, parce que si c'est du métal, ça fait froid, et puis après, bon... Pour ausculter, c'est pas... Et donc, le sexologue, elle m'a tordu le sexe, là, comme ça, pendant plus de 20 minutes, comme ça, dans son pince à cornichon, comme ça. Pendant plus de 20 minutes, elle m'a ausculté dessous, dedans, dehors, comme ça, elle m'a tordu. Et après, elle m'a fait payer, comme ça n'était servi toute une nuit. Et oh, ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré ma fiancée. Bon, elle a jamais su, hein, non plus. Elle était à la sortie de l'hôpital parce que j'adore me promener devant les hôpitaux parce que je trouve que ça sent bon. Et elle était là avec sa nuisette, avec des électrodes plein la tête, reliée à un flipper. Et elle fumait sa... Elle fumait sa clope dehors, comme ça. Bon, alors, je passe, elle me fait « Hé, dis donc, Jean-Jacques, devine ce que j'ai, là. » Je dis « Je ne sais pas, madame. » Elle me dit « La main paralysée. » Bon, et... Alors, je me suis fait une ou deux parties de flipper, comme ça. Et bon, j'arrivais pas à le faire claquer. Donc, bon, je l'ai débranché. Et la fille, bon, elle s'est endormie. Bon, alors, j'ai hésité entre... Bon, je l'ai ramené la fille à la maison. Alors, bon, en plus, c'était le soir de Noël. Ah, là, là. Elle était à la maison, comme ça, allongée. C'était super. Elle était douce à regarder. Bon, je savais qu'on n'allait pas être dérangé par le Père Noël ce soir-là. Parce que je lui avais pété la gueule dans l'après-midi devant le supermarché. Eh ben ouais, quand on t'écrit, tu réponds, c'est tout. Alors je commence à caresser la fille comme ça, qui dormait toujours. Bon, je l'avais nettoyée parce qu'elle sentait un peu fort l'hôpital. Et j'ai commencé à la caresser comme ça, et là elle commence à pousser les petits cris. À se ridire comme ça, à se cambrer, à s'argouter, les yeux révulsés. En fait, elle faisait une crise d'épilepsie. Hein. Alors, pendant qu'elle dansait la tectonique au sol, j'ai continué à la caresser comme ça. Et je la caressais comme ça. Et la fille, bon, pendant que je la caressais, bon, elle bavait, hein, c'est normal. On aurait dit 2-3 escargots en goguette. Et elle bavait tellement. Au bout d'un moment, je commence à caresser tellement fort comme ça. Elle en a foutu partout. Elle bavait comme ça. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis la musique à fond et je me suis fait une soirée mousse. Allez, yahou! C'était super. Hein. C'était bien. Alors, ma fiancée, après, elle me dit « Oui, grâce à toi, Jean-Jacques, j'ai laissé tomber la drogue, mais je ne sais pas où. » Bon. Alors, bon, j'ai dit « Tu viens maintenant, on va faire l'amour. » Parce qu'elle n'était pas très fut-fut, hein. Oh, la fille, elle n'était pas fut-fut, hein. Mais je m'en suis aperçu après.
Elle était con, hein. Oh là là. Elle était comme une tumeur, vous voyez, mais en moins maligne. Alors, les filles, j'ai dit, tu viens me faire l'amour? Elle me dit, oui, si tu me donnes un peu d'argent, d'accord. J'ai dit, oh, ça va, oh. Tu veux pas des billes? Plutôt, j'ai des billes, mais pas d'argent. Je dis, non, viens me faire l'amour. Allez, viens, donne-moi de l'argent, Jean-Jacques. Et oh, t'es clitoridienne ou t'es vénale, toi? Et alors, elle est repartie à l'hôpital sur un coup de tête, comme ça. Ben ouais, des fois, ça me prend. Et de temps en temps, je vais la retrouver à l'hôpital. Et je vais lui chanter des petites chansons pour essayer de la réveiller. Alors surtout, vous bougez pas, je vais chercher mes instruments de musique. Hein. Vous bougez pas, je vous vois de toute façon. Hein. Et voilà, alors ça s'appelle des casous. C'est pour les gens comme moi qui ne savent pas jouer à la musique, au casous, on leur donne ça. Mais tu sais, il faut avoir une narine vibrato. Si t'as pas la narine vibrato, ça sert à rien. Hein. Donc, pour ça, c'est bien pour te décorer le sapin à Noël. Bon, sauf que ça fait des guirlandes vertes, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est mieux d'en jouer l'été que l'hiver, parce que dès qu'on est le nez un peu pris... Mais que, les gondoliers à Venise, comment ils font? Ah, ils ont les mêmes prises, ils peuvent pas jouer, ils jouent avec ça. Sauf qu'en dessous, t'es tout vert. Hein. Alors, ma fiancée, donc, parce que j'en ai pour tous les orifices. Hein. Eh ouais. Tadam. Je me rangerai les affaires la prochaine fois. Hein. Je vais vous chanter les chansons. Alors, bon, elles sont courtes, comme ça, ça aura au moins le mérite de ne pas vous ennuyer. Oh, non. Il faut être... Les araignées sont toutes atteintes de cystite, de la plus grande à la plus petite. Elles ont toujours une grosse envie de tisser. Voilà. Faut attendre un peu encore. Au début de l'automobile, il y a 250 ans, les piétons de toutes les villes avaient plus d'accidents, car les feux rouges, hélas, étaient en noir et blanc. Il doit y avoir un hydravion. Je suis obligé de prendre une liste parce que j'ai une mémoire de poule, voyez. Et parce que tout le monde dit que c'est le poisson rouge qui a le taux de mémoire le plus court. Non, c'est la poule. Hein. C'est ce qui permet à la poule de pondre le lendemain sans aucune appréhension, alors que la veille, elle s'est déchirée en pondant. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, la poule, elle chante, elle a fait la... Elle chante pas, hein. Elle se plaint. Mais vu que c'est en poule, on comprend pas. Voilà.
coquillages et crustacés, sur la plage abandonnée, sur le sable bien tracé, au marmas bouffé. Alors, tout ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'était en ré mineur, d'accord? Et on fait que des ré mineurs. Et maintenant, c'est en sol ciré. La concierge est fille mère. Quand on lui demande qui est le père, elle répond quand je suis dans l'escalier. J'ai pas le temps de me retourner. C'est grâce à Copernic qu'on sait qu'elle tourne bien. Pendant que Copernic, il ne m'arrive rien. Dans Casimir, il y a quelqu'un. Et dans Maïté aussi. Non, attendez, elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Dans Casimir, il y a quelqu'un. Et dans Maïté aussi. Mais moins souvent. Ghislaine, vous dormez ou pas? Dormez pas. Bon, Ghislaine, c'est votre mari à côté? Comment il s'appelle? Comment vous appelez? Max? C'est joli, Max. Non, c'est beau comme prénom, hein. Max? Hé, hey, Max! Ouais! Ah! Et non, parce que moi, mes parents m'ont appelé Jean-Jacques. Jean-Jacques. C'est joli, Jean-Jacques, mais pas comme ça, quoi. Et encore, j'ai eu beaucoup de chance. Au début, ils voulaient m'appeler Geoffrey. C'est le docteur, il leur a dit non, non. Bon, c'est votre épouse alors Non, vous êtes venu comme ça illicitement. Vous n'avez pas de mari, ça? Vous en cherchez un? Vous savez quoi, je vais vous séduire peut-être ce soir. Avec de la magie. On vous a déjà fait de la magie? Vous allez voir. Non, vous montez pas, j'ai pas dit qu'il fallait monter sur scène, j'ai pas dit ça. Je vais vous faire de la magie, je vais vous subjuguer. Demain matin, vous allez être devant l'Altigone, vous êtes en train de bouffer des bouts de mon affiche comme ça. Vous êtes subjugué, vous allez voir. Maestro, musique.